monde, bienvenue au show du pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors, le seul vrai gym à Québec qui vous présente un show de professionnel et qui est live, on est directement au 3055 Boulevard Amel, le 414. Le gym Olympe, la seule vraie place où vous êtes capable de vous entraîner, et non pas comme chez Gono Fitness, ou bien chez Nautilus, ou chez Planète, je sais pas quoi, hein, peu importe quoi. Alors, nous autres, c'est différent. Alors, nous autres, on s'est fait une famille, on s'est fait un gym, on s'est fait un club. Alors, le show du pot, vous êtes présenté live du gym Olympe. On est très content encore de vous accueillir cette semaine. Première capsule, la semaine dernière, d'une série de plusieurs, d'ailleurs. Donc, on est reparti avec... C'est plus ou moins intéressant, monsieur le régisseur. Bien le bonjour, parfait. Yes, Annette, la recherchiste, monsieur le caméraman. Et j'ai monsieur Annette avec moi aujourd'hui, qui est à la supervision de l'ensemble de tout ce qui est électronique, Internet, que moi, moi, ça m'écœurait. Monsieur Annette est là pour ça, et lui, il s'occupe de tout. Il est sur le net. Et voilà, alors lui, il fait tout ça. Voilà, parfait. Donc, toujours très important, comme d'habitude, présenter les principales personnes avec lesquelles on travaille. Alors, nous autres, entre autres, pour la supplémentation sportive, on travaille avec Fille du Supplément, qui est directement à Charny. Je vais même vous donner l'adresse, tout simplement, c'est le 8035 Avenue de l'Église, à Charny, Lévis, tout simplement. 418-988-3255, 988-3255. Propriétaire David Tremblay, le beau David Tremblay, le fantastique David Tremblay, le merveilleux David Tremblay. Ça, c'est dit, parce que tout le monde, ok, parfait, fantastique, c'est bon. Alors, salut David, bien content que c'est là, hein? Oui? Comment vous dites? Ben là, attendez, c'est parce qu'on a commencé à job, là. Je veux dire, vous êtes pas arrivé comme ça, mais je peux sans soupe, là. Et déjà qu'avec le soupe que vous avez dans la barbe, si moi je gardais ça pour vous, là, ouais, ben c'est ça, parfait, ok. Ouais, hein? Oui? Ah, ben écoutez, là, c'est parce que là, je suis en train de travailler, là. Vous avez des trucs personnels, au pire, on pourra s'en parler, là. Une dépression. Ah, ben, excusez, c'est parce que là, j'ai une job à faire, fait que je voudrais juste... OK, on peut en parler après, puis vous me broyez ça là, avec votre slurp. C'est bon, on s'encadre ça. Parfait, OK, fantastique. Supplémentation sportive pour supplémentation sportive. Je dis salut à Frank Allegra, qui est directement au Westside Nutrition, dans le département 05 des Alpes en Europe. Donc, salut Frank. Alors, c'est le 05 Midgap, c'est le département 05, c'est le département des Hautes-Alpes. Le 1 Place Bontou. Alors, c'est Chewbacca qui parle à Yoda. Salut, man. Yes, sir. Alors, très content. Salut, les gars. Je sais, vous autres, qu'en ce moment, en Europe, c'est la merde. C'est la merde totale. C'est la grève dans les raffineries. C'est le prix de l'énergie qui monte en flèche. C'est le délire total. C'est de la macronerie de sodomie profonde, dégueulasse. Donc, on est de tout cœur avec vous. Parce que nous autres, ici, on a Kim Jong Legault qui est revenu en avant grâce aux 40% de style enculé qui ont absolument rien compris avec le N95 d'en face de pingouin, puis qui ont encore peur de pogner le COVID. Imagine-toi donc. On va te dire une affaire, il y a du monde ici, on va te dire une affaire. Si le quotient, il est là, ils sont vraiment en bas de la coche. OK, puis ça me fait plaisir de le dire parce que c'est vrai que du cave, il y en a... Mais sérieux, je pensais à ça l'autre jour, puis je me suis dit, je pense que je vais me partir à un autre commerce. Je pense que je vais faire de quoi de différent. Je vais me faire une réserve faunique d'épais. Hein? Puis on va être capable de payer pour aller chasser de l'épais. Hein? Et tu vas pouvoir choisir... Hein, un épais plus profond, moins profond. Tu peux chasser du pédophile, ça c'est plus cher. Hein, mais je vous dis, ça pognerait, là. T'es une réserve, t'arrives, t'es quatre, nous autres, on veut chasser un pédo, c'est 20 000, OK? Non, mais sérieux, là. T'sais, qui est en avant de toi, qui a une paire de pas de Kodiak, là, t'sais, bien attaché, là. Puis il est à poil, il est dans le bois. Clip, clip, nous autres, on est chargé, on est prêt. On te donne 5 minutes d'avance, on est parti, c'est 400 km². Tu t'enclaires pas, mon homme, c'est sûr que t'as un deuxième trou de cul à la fin de la journée. Voyez, genre, moi, je pense que ça serait intéressant d'avoir une business lucrative comme ça. Mais bon, il y en a qui vont me traiter de fasciste, personnellement, moi. Je pense que de l'épée, ça chasse. Hein, me semble de devoir partir dans le bois, hein, avec ta 308, hein, pour aller chasser de l'épée, hein. Et qu'à un moment donné, là, comme par hasard, tu tombes sur Pierre Fitzgibbon, ben, ça, c'est de l'épée. Hey, là, je clic, clic, là, je vais me gâter, là. Non, mais tu sais, tu veux pas y faire mal, fait, tu mets juste du gros sel dans tes balles, hein. Et quand tu t'avances proche de lui, juste pour être sûr qu'il t'a pas vu. Mais évidemment, ben, lui, c'est sûr qu'il t'a vu parce qu'il est omniprésent dans la crosse intersidéralement profonde. Alors, il se revient de bord, il fait, ah! Et voilà! Et là, t'es face à face avec Pierre Fitzgibbon tout nu. Et là, c'est la désolation totale. Tu te rends compte que Pierre Fitzgibbon encule le Québec avec une graine de 2 pouces. Et voilà. Alors, c'était mon intervention pour cette semaine. On pourra chasser de l'épée dans des réserves pensantes. Pensez à tout ça, sérieux, ça peut devenir intéressant. Donc, du moins, pour nous rejoindre, faites toujours comme d'habitude. Alors, premièrement, le site Internet va être en ligne.
C'est incessant. Je sais que ça fait deux capsules que je vous en parle. Mais écoutez, dans tout le monde de M. Net, il y a des choses qui sont souvent un petit peu plus compliquées. Donc, du moins, là, ce qui est important de savoir, c'est que le www.marc-antoine-grondin.com, vous allez là-dessus, vous allez magasiner, on a mis un paquet de matériel. Allez voir. Sérieux, vous allez adorer le site. C'est super fonctionnel, intéressant, certificat cadeau, protocole de performance, de santé générale, training, alimentation. Vous avez vraiment tout que vous êtes capable de retrouver sur le site. Allez magasiner. Sérieux, là, vous allez voir, là, c'est too much. C'est vrai que M. Net, il a fait tout un job. Okay? Donc, du moins, ça, c'est ma première intervention. Deuxième, vous pouvez me rejoindre par le courriel, le info@marc-antoine-grondin.com. info@marc-antoine-grondin.com. That's easy riding, ça, là. Et pour nous rejoindre directement chez Jim Allen, au 3055 pour le Mont-Ramel. OK? Toujours le même numéro de téléphone, le 418-204-8246. Le 204-8246, faites-le 1 à l'extérieur de la région de l'Est de Québec ou le 00, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vos bras sont trop longs, vos jambes trop courtes et que vos résultats sèment le doute. Oh, boy. Et oui, effectivement, cette semaine, je vais vous entretenir sur la longueur des leviers versus l'entraînement. OK? Alors, ce qu'on sait très bien, c'est que plusieurs entraîneurs qui sont supposés être chevronnés, finalement, puis qui sont juste des crises de chevrons. On va se le dire. Excusez. Attendez un peu, je pars ma capsule. Mais ça, je trouve ça, je suis gras un petit peu. Attendez un peu. Il y a peut-être quelque chose dans la bouteille. Christian Dubé est un hostie de calice de cap. Attendez un peu, il y a vraiment de la cochonnerie dans la bouteille. Trudeau a fourré une fille jeune qui était mineure et l'a payé 2,5 millions. Et cette semaine, la directrice exécutive de Pfizer au Parlement européen a admis qu'il n'y avait aucun test qui a été fait avec les vaccins et que 20 millions de morts plus loin, on s'excuse de vous avoir menti pour vous avoir vendu de la cochonnerie. Ça a fait le tour à Mauvais le matin, ça a fait le tour ces tribunes. Il y a juste ici dans le Dôme du Québec qu'on est encore en train de vous dire d'aller vous faire vacciner parce que faut continuer à remplir les poches au trou de cul à Legault. Alors ça, moi, c'est... Excusez, c'est parce qu'il y a... Monsieur le régisseur, il n'avait dans ma bouteille, je peux pas garder ça pour moi, là. Ah bon, quand le show commence, si je sens là, que j'ai comme un petit gras dans ma bouche, il faut que je le sorte, parce que moi, je vous regarde le tour de taille, puis quand on parle de gras, là, c'est vraiment probant. Hein? Et voilà, parfait, c'est bon, OK. Donc, cette semaine, le sujet, la longueur des leviers. S'entraîner selon les leviers, c'est très important de savoir, un instant, bougez pas, OK. Les hommes et les femmes ont des physionomies qui sont distinctes. Effectivement, on va se le dire là-dessus. Salut, Pyre. Attention à toi, man. Yes, bon retour. T'as-tu encore ton esti de fucking Corolla, man? Non. Oh, yes, non. C'est le retour du Jeep, man. Yes, sir. Salut, être content, man. Retourne à la maison, puis sois heureux. Tu diras salut à Rennes. Yes. OK, yes. Un client très fidèle et très loyal ici au Jim Allen. Un gars athlétique autant qu'acrobatique. Et voilà, yes. Donc, les femmes et les hommes ont des physionomies qui sont parfaitement distinctes. Soyons au fait de faire des exercices qui sont adaptés à notre structure, démystifions finalement des formes d'individus. La majeure partie des entraîneurs souvent ne comprennent pas. Et je ne vous dis pas qu'ils ne sont pas bons, je ne vous dis pas que je suis quelqu'un. C'est pas ce que je t'arrête de vous dire, mais aussi physionomiste devriez-vous être. Ce qui est très important, c'est que pour un entraîneur de déterminer, exemple, quel type d'exercice pourrait être le mieux exécuté, mettons exemple par un athlète. Alors, comme ici, j'ai un de mes athlètes qui est à côté de moi en ce moment, qui est un gars qui a joué au rugby, entre autres en Europe, puis c'est un gars qui a une paire de cuisses phénoménales. Donc, à la grandeur qu'il a, peut-être environ à 6 pieds maximum sur 260-270 livres, c'est un gars qui doit avoir facilement 28-29 pouces de cuisses. Tu sais, lui, t'es capable d'y demander de faire du hack squat lourd, des accroupissements, t'es capable d'y demander de faire des lunges, le leg extension, etc., le leg press avec une bonne amplitude. Pourquoi? Parce que... Quand on regarde le quadriceps et le biceps de cuisse, ils vont venir s'appliquer très facilement comme levier sur les mollets. Et la densité musculaire de la jambe va vraiment donner une bonne réponse parce que le levier par rapport au corps est relativement très bon. Les proportions ne sont pas mauvaises. Alors, on parle d'un gars qui est beaucoup plus, je vous dirais, un méso-endomorphe. Pourquoi? Parce que c'est un type d'individu qui a une capacité de développement physique qui est excellente, puis qui a un petit peu de gras de bébé à décoller sur lui. C'est normal, il est tout jeune, il a 22, 24 ans. Là. Alors, à un moment donné, les choses partent dans la vie et elles se font. Voilà, voilà. Au contraire, exemple de... Le jeune homme qui a passé avant lui, qui s'appelle Pierre. Pierre, lui, est un gars qui est beaucoup plus ectomorphique. Hein, il a pas une once de graisse, il est tracé, il est ligné, il est serré. T'sais, il manque de peau, là. T'sais, tu le regardes, t'as quand même goût d'y en acheter, ta peau. Hein. J'ai le Canadian Tire à 4,95 la verge, tu sais. Monsieur le régisseur, on parle de mesure. On parle pas d'engin de pénétration sexuelle. Arrêtez! Je t'arrête de faire un show, là. Vous me dérangez.
avec votre bas de quotient, là, puis votre incapacité intellectuelle, là, vous me faites penser à M. Boileau, là. C'est comme un jus d'orange quand je pense à la CAQ, là, ça. Ah! Je vomis la CAQ, c'est ça, voilà, exact, c'est ça, voilà. OK, donc, chaque individu, exemple, comme Pierre, lui, c'est un gars qui est beaucoup plus filiforme. Il y a des exercices qui ne lui correspondent pas, ou du moins dans son type de levier, dans son type de grandeur, mettons exemple à 5 pieds 8, 165 livres, les leviers sont relativement filiformes, longitudinaux. Ça sert à rien de faire exemple des squats qui sont trop lourds pour élargir sa taille, défaire son bassin, mettre de la pression dans sa colonne. Vous voyez un peu de genre, au contraire de mon joueur de rugby que je vous parle, qui lui, exemple, on est capable de mettre du tonnage beaucoup plus sur lui parce que beaucoup plus fort des hanches fessiers, beaucoup plus trapézoïdes. OK, donc chaque physionomie a des types de leviers qui vont leur correspondre. Qu'est-ce que ça veut dire? OK. Premièrement, les hommes et les femmes, on se dit, les femmes, il y en a des grandes et minces, il y en a des petites et grosses. C'est d'où l'expression la petite grosse. Et voilà, bon, OK. Voilà, ben oui, comme votre femme, monsieur le régisseur, la petite grosse, c'est en plein ça. La petite qui a le gros truite en arrière du bras, qui se promène partout, puis qui aime ça grignoter son Mayweather. C'est ça. Après deux boîtes, elle est contente, elle s'est calmée. C'est ça. Bon, voilà, c'est. Hein? Trois boîtes? Ben là, écoutez, là, je suis pas chez vous, là. Mais si ça prend trois boîtes à votre femme pour se calmer, pour vous dire une affaire, c'est vrai que vous la baisez du crush. OK, c'est bon. OK. Donc, du moins, excusez. Alors, tu sais, quand t'es rendu à trois boîtes de Mayweather pour voir mouiller une femme, on a un problème, excusez. Là. Allez, OK. je m'enligne dans quoi avec ça, là? Excusez, on revient, OK. Donc, les hommes et les femmes qui sont beaucoup plus filiformes, c'est l'ectomorphique, OK? Quand on veut entraîner des gens comme ceux-là pour les développer, alors il y a des types d'exercices qu'on va choisir en particulier plus que d'autres, OK? Parce qu'on regarde au niveau des comparables, les bras sont longs et les jambes aussi, OK? Donc, à ce moment-là, ces gens-là, pour faire certains types de mouvements, comme des presses, comme des squats, comme des soulevés de terre, pour eux autres, c'est complexe. Hein? Tu sais, exemple, j'ai un gars cette semaine qui est venu me voir. Il va se reconnaître, je suis capable de dire son nom, là. Je vais dire son nom de famille. C'est Brich. Et Brich, voilà. Moi, la première fois que je l'ai vu, je pensais que c'était un joueur de volleyball. OK, il doit faire 6 pieds 5, 175 livres. Vous voyez le genre, là? Et rien qu'une barre sur son pyjama, là. Vous voyez le style, là? Bon, OK. Pas parce qu'il manque de cœur, c'est parce que c'est un gars qui est fait vraiment sur le long. OK, voilà. C'est lui, sa cravate est longue de même. Et voilà, bon. Donc, quand on entraîne une personne comme lui, il y a des exercices que je ne lui donne pas. OK, tout simplement. Exemple, j'y fais pas faire des squats. Ça sert à rien, je perds mon temps. Il y en a qui vont me dire, ben ouais, non, c'est la base. Ah, mauvaise réponse. OK? Là, les fervents de powerlifting, là, allez vous asseoir, OK? Puis mangez un petit quelque chose, ça va vous calmer, là. OK? Puis les adeptes, exemple, du powerbuilding comme moi, ben allez vous asseoir, OK? Allez boire un petit quelque chose, ça va vous calmer, là. Puis les crossfiteux, ben vous autres, restez donc assis, ça va vous faire moins mal. Bon. Donc, du moins, quand on le regarde dans l'ensemble de tout ça, OK? Ce qu'on est capable d'observer, c'est que vous avez des physionomies pour certains types d'exercices. Et de toute évidence, là, le bassin très serré, les hanches beaucoup moins larges, les fémurs trop longs, des muscles longitudinaux avec des attaches qui sont excessivement longues, avec des muscles des fois qui sont beaucoup plus courts à certains endroits. Il n'est pas dessiné pour ça. Bon, alors quand vous montez un plan d'entraînement pour un sujet comme lui, il y a des exercices que vous perdez votre temps. Exemple, bench press, tu perds ton temps. Le gars décolle la barre pis il descend! Voilà, on a le temps d'aller prendre un café, un bain, pour on revient, pour on est allé au centre d'achat, magasiner des jeans, pour on leur va les plier, mout! Là, il finit plus, là, tu sais, il est sidéral, tu sais, je comprends-tu? Le gars, il pogne pas le bout. Bon, pensez-vous qu'il y a du plaisir à s'entraîner? Ah, mauvaise réponse, il tripe pas là-dessus pantoute. Bon, alors que, développé écarté, si on lui fait faire des fly, si on lui fait faire, exemple, mettons, des mouvements, exemple, c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup en regardant des vidéos de John Meadow, des mouvements partiels ou incomplets. J'ai des gens, des fois, qui me disent, je comprends pas. J'ai parlé avec ce gars-là cette semaine. Pas John Meadow, il est mort. Monsieur le régisseur, quoi, je déteins pas des cadavres, OK, je suis pas le tueur de Green River, on va se calmer. OK, donc exemple, je parlais avec Brich, entre autres, puis quand il descend, j'ai dit, est-ce que tu as un meilleur ressenti quand tu descends en bas et tu pousses de façon trois quarts incomplète? Est-ce que tu as un meilleur feeling quand tu pars d'en haut et tu descends trois quarts pour remonter? Ou est-ce que ça part complètement d'en bas pour aller complètement en haut?
Il ne savait pas les exercices. Et voilà. Alors, ce qui est important, c'est le ressenti. Toujours important avec la longueur des leviers. Exemple, des flies, on ne les fait pas faire comme ça. Lui, la cage thoracique va arracher, va se démancher un labrum. C'est pas ça que ça prend. Beaucoup de pliures, ce qui est important, c'est de provoquer l'extension musculaire pour une personne qui est aussi grande. Chez les femmes, c'est la même chose. J'ai déjà entraîné des femmes longues et minces. Tu sais, la fille, elle se présente pendant 4 heures, là. Finit plus. OK? Tu regardes les jambes, c'est ça, là. Elle a l'air d'un stylo avec des cheveux, là. Et ça, en plus, il faut qu'elle aille la botte, là. C'est faux, là. Ça finit plus, là. Là. Tu sais plus comment prendre ça, cette histoire-là, là. C'est dégénérant. Ah, parfait. Donc, l'idée comme telle, là-dedans... Non, mais c'est parce qu'imaginez quand ça s'est pas rasé. Du moins, l'idée comme telle, c'est que ces gens-là doivent avoir des exercices qui correspondent à la longueur de leurs muscles. OK? Exemple, je regarde dans le gym, j'ai une petite demoiselle qui est en train de s'entraîner qui s'appelle Valentina. Okay, bon. Et elle a fait du powerlifting, elle vient de la Colombie. Bon, ben elle est courte, OK? Et ses jambes sont faites fortes et ses hanches sont un peu plus larges. Donc elle, pour faire ce qu'elle fait, elle est parfaitement dessinée pour faire ça, voyez? Et c'est une femme. Donc, tout dépendant des types de leviers que vous avez, la personne qui vous entraîne devrait sélectionner des exercices en conséquence. Si ce n'est pas le cas... Rentrez dans vos maisons, ils le mangent depuis, hein! Comprenez? Changez d'entraîneur. OK? Il y a des gens qui sont pas assez chevronnés pour répondre aux besoins de votre corps, tout simplement. Et c'est important de le comprendre. Puis il y a des gens, malheureusement, qui aujourd'hui, parce qu'ils ont fait un show de bobettes boutonneux dégueulasse avec des notes, là, avec un tan sur le corps, puis ils sont classés 2e sur 2, puis ils pensent qu'ils sont des champions, là, ben ils vous montrent des trainings de trous de cul, là, puis ils vous entraînent comme des pas bons. OK, excusez, j'ai l'air incisif comme ça, mais c'est pour de vrai, là, je le suis. OK, donc je continue, OK? Toujours en lien avec le corps, OK? Le corps plus mince est beaucoup moins claviculaire, moins dense et moins épais. Je parle pas de vous, monsieur le régisseur. Donc, les levées, les accroupissements et les poussées deviennent complètement dysfonctionnels. Ces mouvements-là ne sont pas adaptés pour ce type d'individu-là. Donc, à ce moment-là, c'est le rôle de l'entraîneur ou de la personne qui est en charge ou qui aide, ou voire même si la personne dit « moi, ce que je fais, je crée mes propres trainings », ben, il y a peut-être des mouvements qui sont peut-être mieux adaptés pour ce type d'individu-là. Faut vraiment chercher et cibler. Certains exercices jugés incontournables, OK, ne peuvent trouver leur intéressement que si le sujet a la capacité de les performer adéquatement, hein? Je me rappelle très bien, entre autres, j'ai entraîné un joueur de hockey, je l'appelais P.O. Box, donc on va l'appeler P.O. Box, comme ça il va garder tout son anonymat au même titre que Monsieur Net, et voilà. Donc, P.O. Box, c'est un gars de 6 pieds 6, que quand j'ai commencé à l'entraîner, il faisait 185 livres. Ça, c'est gros pour un joueur de hockey, on parle d'un bétail, là. Imaginez-vous donc, 6 pieds 6, 185, c'était un gros. Moi, dans mon monde, à moi, là, c'est 5 pieds 6, 2,85. Ça, c'est gros, OK? Vous voyez la différence? C'est pas le même. Mais c'est parce que le 5 pieds 6, 2,85, avec des patins, tu pars à rire, là. Tu sais, c'est comme mettre un lave-vaisselle avec deux blés dans le dos, puis tu crisses ça sur la glace, hein, ça se casse la gueule dans tous les coins, là. C'est pas bon, OK? Donc, ce gars-là, quand je le faisais squatter, on partait d'en haut, je pouvais pas l'asseoir en bas. Ben, c'est pas parce que je pouvais pas, je peux faire ça. Sauf que le lendemain matin, ce qu'il va dire, c'est qu'il s'est rompé lombaire. Pourquoi? Parce que dans le levier de son fémur, quand il descend, creuse le bas du dos, sort le fessier, s'installe, OK, pousse ses hanches vers en arrière, met son poids dans ses talons, jusqu'à un certain point, quand il passe ça, la courbure de la colonne vertébrale directement dans le bas des lombaires jusqu'au sacro effectue une rotation antérieure avec le pelvis et ne permet pas une rotation adéquate de la hanche et met une pression dans les disques et les lombaires. Et on vient de perdre la capacité de l'exercice à permettre un développement probant. OK? Donc, dans son cas à lui, faire des squats de façon pratiquement incomplète, trois quarts ou des box squats deviennent intéressants. C'est comme ça qu'on peut voir ça. OK? Vous comprenez un peu l'idée? OK, right, OK. Alors, le bench, le deadlift, le squat devront demander, OK, soit des positionnements en altération, altération de mouvement, de prise de main, de positionnement de pied, la course de la charge, tout simplement, versus l'individu. Le type de muscle aussi, ça, c'est bien important, OK? Parce que, tu sais, qui dit grande personne, dit muscle longitudinaire et long. Okay? Il y a des gars que j'entraîne des fois qui sont assez graves et qui me disent « Hey, c'est long à remplir. » Ouais, c'est long à remplir, mais quand c'est plein, c'est plein. Bon. Hein, ça me fait toujours penser à un de mes chums qui s'est entraîné longtemps, qui a joué au football avec les Golden Knights de Laurier en Ontario. Phil White, je suis capable de dire son nom. C'est un joueur qui a été... comment est-ce qu'il dit ça? All-Star Possession, OK? All-Canadian, OK, à sa position, un super joueur. Tu sais, un gars qui est parti à son cégep au secondaire,
6 pieds 2, 190, puis qui a fini son universitaire à 6 pieds 2, 290. Pas de stéroïdes. Je peux vous le dire, j'ai vu ce gars-là s'entraîner. J'ai vu ce gars-là manger. Là. C'était incommensurablement incroyable. OK? Tu sais, un gars discipliné qui s'entraîne. Un gars qui avait 32 pouces de cuisse. Là. Le gars, il squatte 600. OK? Il bench 450. Alors, un taureau, là. Tu sais, je le prenais par les épaules, Phil, là, j'y touchais comme ça. C'était fou, là. Tu sais, là, couché sur le côté, sa cuisse, la main sur le dessus, puis en haut, là, j'étais comme ça. Tu sais, c'était fou, là. Un taureau, là. OK, bon. Ce genre d'individu-là, même une fois grand, avait une certaine capacité à se développer. Puis il y avait des types d'exercices qui lui correspondaient mieux que d'autres. OK? Donc ça, faut jamais perdre ça de vue. OK? Puis évidemment, ben, tu vas me dire qu'il est grand. Ouais, ça a pris du temps à le remplir, là. Hein, au secondaire, t'as quoi? T'as 16, 17 ans. Puis tu finis ton universitaire, t'as 23, 24 ans. Ben, tu vas me dire, mon Dieu, il s'est quand même passé quasiment un 7, 8 ans. Oui, quasiment un 7, 8 ans. C'est ça que ça a pris pour le remplir au complet. Alors, les gens qui sont filiformes, ectomorphiques et longitudinaux vont vous dire que c'est très long à remplir, mais une fois que c'est plein, c'est plein. Alors, patience et rigueur. Ben, au champ de bro, on donne encore le meilleur conseil qui n'existe pas, patience et rigueur. Okay? Donc, les types de muscles apportent aussi des volumes, okay, des volumes et des ratios d'entraînement différents pour chaque individu. Okay? Exemple, j'ai vu Brich cette semaine, j'ai monté un training, puis il m'a dit, la dernière fois que tu m'as vu, tu m'as dit que le gars qui m'entraînait avait mis beaucoup de supersets, puis tu pensais que c'était une erreur. Ben, j'ai dit, écoute, toi, tu m'en as mis des supersets. Ouais, je te mets un exercice, 1 minute et demie, un deuxième exercice avec un volume ridicule pour faire un appoint musculaire, 30 secondes, revenir au premier, 1 minute et demie. Le gars qui t'entraînait t'a mis des volumes élevés avec des temps de repos courts. Premier exercice, pas de break, deuxième, 1 minute. Impossible que tu grossisses avec ça. Impossible, impossible. 4-5 jours semaine, impossible, impossible. Tu sais, puis le gars, il se faisait nourrir, mais il se faisait gaver. Fait qu'il disait, j'étais toujours plein comme ça, je me sentais toujours mal parce que j'avais trop mangé. Donc, vous voyez que toutes les méthodes d'entraînement sont bonnes, mais encore a-t-il fallu qu'on les adapte correctement à chaque type de physionomie. C'est excessivement important. Et ça change l'issue d'un résultat, et c'est ce qui va garder l'athlète en motivation. Okay? Toutes les méthodes sont valables. C'est vrai que toutes les méthodes sont valables. OK? Peu importe avec qui je vais travailler, est-ce que je travaille de façon naturelle, est-ce que je travaille en pharmacodynamique, est-ce que je travaille avec un athlète qui veut performer, mettons, un type de sport en particulier, quelqu'un qui veut juste être en forme. Je pense, entre autres, j'ai un de mes clients ici, Tu Boulet, est assez grand quand même, tu sais, puis c'est un gars qui a une bonne charpente, tu sais, c'est un gars, mettons, exemple, de 6 pieds 2, 3, puis qui fait 240 livres facile, sans forcer. Et il est monté de même, le gars. Ben, lui, t'es capable de l'entraîner un peu plus fort, t'es capable d'y en demander un petit peu plus. Parce que la proportion de ses leviers est plus intéressante. C'est pas un ectomorphe. OK? C'est un gars qui est beaucoup plus mésomorphique, endomorphique un peu. Endomorphique, parce qu'il faut qu'il dégraisse une petite affaire. Mais, je vous dis, depuis qu'il est arrivé ici, ça fait pas 6 mois, là, il a vraiment changé et les choses bougent. C'est très, très, très intéressant de le voir travailler puis de le voir se changer. Donc, le muscle long est long à remplir, mais une fois qu'il est plein, ça donne de très bons résultats. Moi, j'ai entraîné beaucoup de joueurs de hockey de la LNH, des professionnels qui ont tous le même profil d'ailleurs. Non, monsieur le régisseur, non, quand on parle de profil de hockey, on parle pas de prétentieux millionnaires. Non, on parle pas de ça. On voit qu'il y en a certains qui le sont, mais on parle pas de ça. Okay, ouais. Donc, je vous dirais que ces gars-là sont tous grands et longitudinaux et minces. Ils sont tous pareils. Okay? Ensuite de ça, joueur de volleyball, basket. Tu sais, c'est difficile de développer des physiques comme ça. Hein? Tu sais, c'est pas évident. Okay? Mais avec des exercices qui sont adaptés, des répétitions qui sont adaptées, des temps de repos qui sont adaptés, il y a vraiment moyen d'aller développer une musculature certaine. Hein? Tu peux pas prendre un gars de 6 pieds 6, 185 livres pour en faire un bétail de 290. Tu peux, mais tu vas compromettre sa santé, tu vas le faire crever, il va être boutonneux, il va être tout crache. Puis d'après moi, il va arrêter de baiser parce que ça marchera plus, là. Il va avoir des problèmes de santé majeurs. Tu sais, comme la dernière photo que j'ai vue de Nick Walker. Oh mon Dieu. Dégueulasse. J'ai jamais vu une cochonnerie pareille. Sérieux, là. Lui, je sais pas s'il se trouve beau, là, mais méchant crise de câble. Le gars, il est comme de côté, même biceps de cuisse mollet avec le triceps. Je vous jure, il n'y a pas une partie du corps qui a pas des boutons, là, mais des boutons là, partout.
sais, voyons donc, tu t'es pas regardé les choses. Hey, sérieux, là. Tu sais, on a regardé, exemple, des gars comme, tu sais, Charles Clement. On a regardé des gars comme Flex Waller. On a regardé des gars comme Porter Cottrell. On a regardé des gars comme Mike Matarazzo. Tu sais, on a regardé des différents culturistes comme Andrea Mazur, comme, tu sais, Nazer El-Sambati, Dorian Yates. Ils ressemblaient pas à ça. Tu sais, les gars, ils étaient dosés comme des drogues. Ils étaient pas dégueulasses de même. Tu sais, je m'excuse à un moment donné, ça, mais je pense aussi qu'il y a un lien avec la bouffe. Tu sais, sérieusement, je pense que dans ces années-là, on mangeait encore des choses qu'on appelait des aliments. Hein? Tu sais, comme vous, Monsieur Richter, votre femme, tu sais, vous la mangez puis c'est pas un aliment. Hein? C'est même pratiquement dangereux. Hein? Moi, d'après moi, elle a la pantoufle nucléarisée, carrément. Hein? Carrément, c'est Tchernobyl au maillot. Et voilà. Tu sais, quand vous arrêtez, là, il vous en reste, puis vous êtes encore électrostatique. Et voilà, c'est en plein ça. Et voilà. Ouais, ben écoutez, moi, c'est pas moi qui se la tape, la grosse salle à manger, c'est vous, c'est pas moi. Hein? Voilà. OK. Donc, l'ectomorphe longitudinaire ne fait pas exemple de squat assis complet. C'est une erreur, vous ne le développerez pas plus. Vous allez taxer ses ligaments, ses tendons, ses ménisques, ses articulations. Le bench press, peut-être le soulevé de terre, vu que ses bras sont longs, sa capacité d'aller s'asseoir est beaucoup, elle est très altérée, donc il descend beaucoup moins bas. Il peut lever jusqu'en haut. Ça peut être intéressant dans certains types d'exercices, placé dans un training à un certain moment avec un certain volume. Vous voyez que ça commence à faire beaucoup d'altérations, on s'entend là-dessus. Okay? Donc, les gens qui sont longitudinaires doivent avoir des types de training adaptés. Donc, si vous voulez être capable de bien développer quelqu'un qui est fait sur le long, qui est mince, pourcentage de gras très faible, filiforme et ectomorphique, on doit avoir des volumes d'entraînement restreints, des journées d'entraînement qui ne se multiplient pas. On ne parle pas de 5-6 fois par semaine, on parle de 4 fois. Des séances de 60-70 minutes, avec des volumes d'entraînement qui sont altérés, avec des répétitions qui sont courtes, OK? Ou tout simplement, on va choisir certains exercices clés qu'on va faire à haut volume, du 15, du 20, 25 répétitions. Pourquoi? Pour remplir le muscle le plus possible. Et plus la séance avance et plus les répétitions se mettent à baisser et plus le volume se met à s'atténuer et plus on amène l'athlète au maximum. OK? Donc, c'est un peu avec des temps de repos longs. C'est un peu comme ça qu'on va travailler un athlète comme celui-là, puis on lui tient une alimentation qui est relativement assez élevée. Mais on respecte son rythme alimentaire. Mes athlètes, quand je les travaille, peu importe avec qui, souvent je commence avec des volumes d'alimentation qui sont beaucoup plus bas. Hein, j'ai des gens, des fois, mettons exemple, un gars de 195 livres, à 5 pieds 8, 14% de gras, je le pars à 2300 calories. Hey, mon Dieu, je mange quasiment pas. On commence là. Parfait, un mois et demi plus tard, on arrive, toujours correct, M. Gavernet. Alors, on part, mettons un mois et demi plus loin, on est à 2002-2003, je te monte à 2008. Ouais, je commence à me sentir nourri, parfait, 6 semaines plus tard, 3002. Puis, ouais, là, ça commence à rentrer un peu plus, parfait, t'as-tu encore faim? Le soir, des fois, il m'en manque un peu, parfait, 3002, ok, 3004, puis on arrête. Il perd du pourcentage de gras, il ligne, il remplit, il est pas ballonné, il est pas gazé, il digère bien, il sent bien, il dort bien, il dompe à tous les matins. Parfait, le corps, il fonce, vous voyez, il y a une méthodologie de travail. OK, vous pouvez pas vous accoquiner avec n'importe quel pistolet là, tu sais qui va faire à peu près n'importe quoi. Tu sais moi quand je regarde mes athlètes puis je dessine des trainings privés et personnalisés pour des gens particuliers, j'ai la considération des proportions du corps. Hein? Si j'ai affaire à un gars qui est petit, trapu et gras, ben écoutez, c'est côté alimentation, on va travailler, mais côté exercice, on a moins de limitations. Par contre, je vais mettre l'accent dans son cardiovasculaire. Hein, parce que c'est sûr que lui, juste à marcher, comme M. Régisseur, il fait 3 pas, puis... Surtout que M. Régisseur a encore un N95 d'en face, parce qu'il est sûr qu'on est en 8e vague. Alors, vous faites partie des vers de terre à genoux qui sont des esclaves au Québec, qui font partie d'une matrice et d'une bande d'enculés qui n'ont rien compris. Et dans l'indécrottable Québec, jamais rien ne va changer. Alors, gardez votre crise de masse dans votre face, avec votre crise de barbe, avec votre crise de femme, avec votre crise de Québec, avec votre crise de mentalité. Je l'ai-tu assez dit, c'est beau? OK, parfait. On continue. Parfait, fantastique. Deuxièmement, on va faire un comparable avec les hommes et les femmes qui sont beaucoup plus trapus et largement trapézoïdes, style endomorphique.
Bon, l'endomorphe, lui, c'est une personne qui va avoir plus de difficultés un peu à perdre de la adiposité. Par contre, sa capacité de monter de la masse maigre va être très bonne. Souvent, des structures physiques aussi. Exemple, l'ectomorphe a des os, une structure osseuse beaucoup plus fine. C'est différent. Souvent, on va retrouver chez les endomorphes des poignets, des jonctions, des chevilles, des genoux qui sont largement faites très fort. C'est tout à fait différent. Donc, à ce moment-là, ça a brisé le physique comme tel. On peut choisir à ce moment-là des exercices adaptés. Les bras sont plus courts, les jambes aussi. OK, par rapport au reste du corps, dû au ratio poids de corps, il y a beaucoup plus d'épaisseur, de densité musculaire. Ouais, beaucoup plus gras aussi, c'est bien important, OK? Donc, les leviers plus gros et plus épais permettent donc d'élever des accroupissements et des poussées qui sont beaucoup plus directifs, OK? Certains exercices jugés incontournables trouvent leur intéressement dans la capacité du sujet à les performer adéquatement. Bench, squat, soulevé de terre. Alors, deviennent plus faciles et enrichissants pour l'athlète de les travailler, OK? La longueur et la grosseur des muscles donnent des identifiants de capacité pour trouver des exercices ciblés qui leur correspondent. C'est assez direct, ça? OK, bon. Tu sais, vous savez, exemple, j'ai déjà vu ça. Vous avez une femme que vous entraînez qui est en surcharge pondérale. Vous voyez très bien que la base du corps, elle est bonne. Elle est très forte, cuisse, fessier. Elle a une largeur de dos qui est pas mauvaise. La clavicule est pas nécessairement trop large. Le buste est voluptueux. Les proportions sont bonnes. Les leviers ont des grandeurs quand même proportionnelles au reste du corps. OK? Puis, exemple, ce que vous observez, c'est qu'elle a un fessier qui est vraiment très fort. Et là, je vous dirais, faut pas confondre deux choses, parce que le fessier, c'est le solage du corps. Hein, j'ai des femmes, des fois, qui me disent, « Ouais, mais avec quel fessier que j'ai... » Là, excusez, je vais être direct. La grosseur du cul a pas de lien avec la capacité de charge à mettre dessus. Hein, je connais des filles qui ont le cul large de même, là, puis ils squattent pas un 10 chaque côté parce qu'ils écrasent. Je connais des filles qui ont le fessier large de même qui squattent une plaque 25. OK, bon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la capacité musculo-squelettique. C'est ça l'idée. C'est ça qu'il faut percevoir. Alors, exemple, l'entraîneur qui a une fille qui a du poids à perdre. OK? Au champ du poids, on est encore capable de dire la vérité. La fille, elle a le cul large comme un 12 euros. OK? Et le gars lui fait faire des fesses, juste des exercices de... Qu'est-ce que vous pensez qu'il arrive? Ça fait 25 ans qu'elle marche debout sur son fessier, puis il se développe à tous les ans. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Là, à un moment donné, tu le regardes, t'as l'impression que la fille, elle a une shape de nœud papillon. T'sais, carrément. Tu le regardes, c'est pas gros en haut, là, t'arrives en bas. C'est un peu comme un genre de Doritos, mais pétant en deux. T'sais, tu fais comme moi. Mais comment ça se fait que tu t'ostines à lui donner autant d'exercices de fessier? Ben, c'est pour le dégraisser. Ah, mauvaise réponse! Tu dégraisses pas un fessier seulement en faisant des exercices de fessier. Tu dégraisses-tu une masse abdominale seulement en faisant des abdos? Non, bon, la grande réponse. OK, la vérité, c'est que c'est dans son alimentation que tu devras miser. Et, tac! La prendre au collet et la tenir serrée. Et lui dire, fais ta diète! Fais ta diète! Allez! Fais ta diète! Espèce de blablec, allez, tu vas écouter, tu vas faire ta dire, tu vas faire ta dire, allez, voilà, OK. Donc, souvent, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont de la misère à arriver à ça, je pense très bien à une de mes clientes, qui a fait un énorme progrès cette année, je suis bien fier d'elle, d'ailleurs, c'était sa fête cette semaine, salut Madame Chose, hein, parfait, voilà. Donc, ben, elle me dit toujours, ben, des fois, j'ai perdu le poids que je voulais, j'ai baissé, mais là, je suis stagné, mais non. Non, t'es pas stagné. Non, tu grignotes ta vie, arrête! Ton meilleur ami est encore le cylindre de Pringle. Et voilà, et le pot de Nutella n'est pas loin. Ou les glacettes. C'est en plein ça, voilà, OK? Donc, c'est parce que c'est pas long, là. T'sais, tu t'installes devant la TV, puis une, puis deux, puis 45 plus tard, t'atteins pas la boîte, là, puis il y a 2000 calories là-dedans, là. Là, tu me dis, mais là, je perds pas, là, je peux te dire pourquoi. C'est ça. Bon. Alors, on a vraiment qu'elle se met à faire beaucoup plus attention. Et voilà, il n'y a pas de magie là-dedans. Il n'y a pas de phénomène obscur. Il n'y a pas de phénomène intersidéral. Il n'y a pas de phénomène par lequel l'être humain se transforme tout simplement de boulette en spaghetti. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein, il y a eu une attention particulière à l'alimentation. Et il y a eu perte de poids. Il y a eu ciselage. Il y a eu modification. Et il y a résultat. Et voilà. On chante pas. On est encore capable de dire que si tu manges bien, tu devrais bien paraître. Ça devrait t'aider. Hein, quand tu manges, tu craches, puis tu manges de la chenoute, ben, t'as l'air d'être du crache, puis t'as l'air de la chenoute, tu sais. Ça vient un peu avec, tu comprends-tu? Si on connaît plusieurs personnes comme ça,
T'sais, exemple, je regarde le chef d'antenne, Paul Larocque à TVA, je suis persuadé que ce gars-là, il baisse mal. Je suis sûr de ça. Alors, bonsoir ici, il n'y a pas de route. T'sais, tu comprends-tu moindrement, lui, que tu dis pas ce qu'il dit parce qu'il est payé par l'État, ben, lui, il est décontracté. T'es voyé, genre, fait, me semble de le voir avec sa femme. Ben, voyons, Nicole, me semble que ce soir, là, me semble que tu mouilles pas bien, là. T'sais, le genre de ce petit tout de cul, là, t'sais, qui s'applique même pas à faire sa job à part être à la TV, là, pis mentir au monde. Allez, on n'entend pas là-dedans, là, du moins, là, c'est parce qu'ils ont pu se tracher loin là-dessus. OK, donc, du moins, excusez. Oui. Alors, les gens qui sont largement trapézoïdes et endomorphes sont plus difficiles à amincir et à peaufiner. OK, ça prend des exercices qui ont plus d'intensité, plus que l'ectomorphe, qui devra faire ce qu'on appelle plus des intervalles. Effort, stop, effort, stop, effort, stop. Toujours comme ça. OK, des séries qui amènent une certaine congestion, et non pas comme certains que je connais. J'aimerais pas le nom ici. Je commencerai pas à faire ça. C'est pas légal. Non, je le dirai pas. Vous pensez de le dire, là? Oh, sorry, bro, je ne fais pas de délation. Je ne suis pas comme les Québécois merdeux qui ont délaté. Je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. C'est Éric Perron, ça? C'est Éric Perron. Salut, Éric Perron. Ça va, man? Ah, d'abord, Éric Perron qui est avec nous ce soir, ici, dans toute sa camisole. Et voilà, fantastique. Ça va manger. Oui, mon homme, yes, parfait. Va manger ton kilo de viande, ça va te faire du bien. Oh, yes. Et voilà, excellent. Yes. Éric Perron, qui est un adepte des biceps barbecue. Et quand il voit qu'il se commande un steak de brontosaure gros comme ça, là, puis il en mange deux pendant que sa bonne en mange un gros. Et voilà, parfait, fantastique. Donc, du moins, je m'en allais où avec ça, voilà, mais je parle de brontosaure. Ah, mais c'est. Tu sais, au champ du preneur, on se permet toujours d'y aller à plein régime, hein, c'est bon, yes. Oui. Les gens doivent toujours porter une attention particulière sur tout ce type d'individu-là, à l'ensemble de ce qu'ils vont manger pour créer des dynamiques qui vont être beaucoup plus positives et qui vont faire en sorte que le corps va s'affiner comme il faut. C'est un peu l'idée, finalement, par laquelle je vous discutais. Et dans ce sens-là, les types d'exercices qu'on va choisir, exemple, quelqu'un qui est beaucoup plus mince et filiforme devra choisir des volumes d'entraînement qui sont beaucoup plus restreints, avec une bonne intensité, mais... Tu sais, c'est pas comme quelqu'un qui a du poids à perdre. Quelqu'un qui a du poids à perdre, on va le tenir avec des exercices qui vont soutenir. Pas nécessairement juste circuit training, là, puis du giant set. Non, non, non. On va le tenir avec des temps de repos qui sont relativement assez courts, avec des exercices à bonne intensité, qui vont amener une accélération cardiovasculaire pour maintenir une thermogenèse à l'intérieur du corps qui est positivement active. Tu l'embarques sur le brûleur, et là, il brûle. Tout simplement. OK? C'est comme ça que ces gens-là, on est capable de mieux les dessiner. Alors, on trouvera plus de force et on trouvera plus de force et d'endurance dans ce type de physionomie. OK? Mais souvent, oui, parce que ces gens-là sont dessinés pour le power building, le power lifting, le strongman. Donc, ces gens-là sont vraiment dessinés pour ça. Donc, souvent, eux autres, de façon surprenante, ils traînent bien leur poids. La capacité cardio-respiratoire et la capacité cardiovasculaire est excellente. Alors, à ce moment-là, c'est à l'entraîneur de miser là-dessus. OK? Des leviers courts vont être forts et puissants pour permettre un meilleur travail. Donc, on peut se permettre de mettre un certain tonnage sur ces gens-là pour créer du muscle. Plus t'es musclé, plus tu t'en devenir. Plus t'es gras, plus tu t'en rester. OK, donc, en créant beaucoup plus de muscles, on crée un besoin dynamique alimentaire qui va faire en sorte que vous avez plus de... Comment je pourrais vous dire? Vos... attendez un peu, c'est un substrat, là, attendez un peu. Comment on pourrait dire ça? Le mot m'échappe. Merde, le mot m'échappe. Ah, je vais vous revenir. Je suis sûr que je vais me réveiller cette nuit, je l'ai! Ça, c'est mon genre, là, tu sais. Ma blonde, elle me demande, ben voyons, arrête. Non, non, regarde. Toujours obscur. Votre femme, elle vous dit pas ça, vous, arrête. Non, elle vous dit pas ça, ben elle devrait, parce que je vous regarde, puis moi, je vous le dis, arrête. OK, donc, du moins, les filiales énergétiques. Merci. Je le savais, quand vous parlez, ça reviendrait avec votre phase de... Avec votre phase de régisseur, finalement. Voilà, OK. Donc, les filiales énergétiques qu'on va utiliser à ce moment-là deviennent beaucoup plus intéressantes okay, pour ce genre d'individu-là. De faire en sorte que si on crée beaucoup plus de muscles, on va brûler davantage d'adiposité et on va faire en sorte que l'athlète performe mieux avec le feeling et le résultat va être vraiment meilleur. Donc, on misera davantage dans la capacité cardiovasculaire sur des exercices à intensité élevée pour arriver à des résultats qui sont meilleurs. Cibler des exercices qui donnent de la motivation. Un obèse ne fait pas de chin-up.
OK? Tu sais, moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, où je regardais une émission à la télévision avec André Charrette puis Brendel Mouche, qui était Yves Payette, je me rappelle bien, qui était tellement boutonné, il était dégueulasse. Là. C'est parce qu'il devait faire 2 grammes de soutanon par jour. Là. En tout cas, les gars faisaient des chin-ups. C'est rare que tu vois un gars comme Payette à 250 litres faire des chin-ups avec 2 plaques entre les jambes. Je vais vous dire que ça, c'est un phénomène. Ça, c'est un gars qui était raide en enfant de chienne, OK? Comme André Charrette faisait la même affaire, qui était très bon. Là. Mais tu sais, plus les gars souvent sont lourds, plus ils sont super élevés, moins tu vas voir ces gars-là faire des chin-ups ou tu vas les voir faire ça avec des élastiques. Tu sais, c'est plus difficile pour eux autres. Mais un obèse, une personne qui n'est pas en condition, qui ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses-là. C'est quoi, tu t'es mis à faire des chin-ups juste pour me faire chier, là, hein? C'est ça, hein? Espèce de rigolo. Hein? Donc, du moins, ce qu'on observe comme il faut, c'est que ça prend des exercices adaptés. Tu sais, je commence à entraîner une femme ou un homme qui est légèrement en surcharge pondérale, puis je lui demande de faire des tractions. Il y a un découragement qui est là, OK? Il faut choisir des exercices et les sélectionner pour que ça devienne intéressant, OK? Mais exemple, si vous lui demandez de faire des chin-ups en position assise avec les pieds au sol, ou un horizontal chin-up, ou de le faire avec un élastique, ah mon Dieu, là vous allez gagner sa confiance et son développement s'en trouvera marqué. Voilà. Okay? Donc on parle de gens qui font beaucoup plus des sports d'explosivité, du strongman, du powerlifting. Tu sais, quand je parle de sports d'explosivité, exemple, lancer du poids, je sais pas si vous avez déjà vu ça un peu là. Lancer du marteau, ben lancer du poids, là, tu sais, là. Genre, Olga Ashnevisnova, là. Tu sais, qui arrive en avant avec les trapèzes ici de même, elle arrive de la Hongrie. Tu sais, tu le regardes, t'es là, calice. Tu sais pas trop si c'est un toit, on tue un tas, ou tu sais pas trop, là. Parce qu'elle arrive avec son chignon, mais une chance qu'elle ait des boucles d'oreilles, tu dirais que c'est un gars, là. Tu le regardes de dos, tu fais comme, hey, bonjour, monsieur. OK. Là, elle arrive, elle est comme ça, avec son legging, là, puis tout son kit strappé, là. Elle est tellement serrée, là, tu y vois les piles qui sont en train quasiment de crever le chandail, là. Puis là, elle prend son poids, puis elle est là, oh, je m'avais dit, oh, t'es gros, oui. Elle devient ça d'un coup sec, puis elle l'envoie à 80 km. Là, le juge est là, puis il sait pas comment compter ça. Puis là, elle est là, est-ce que j'ai passé le test? Bon, je pense que tu as surpassé le test. Et voilà. Bon. Ce type de sport-là, un peu, ça prend des gens qui sont explosifs, quand même musculaires. Vous avez des gens comme ça, exemple, c'est rare qu'à part Marius Podzanowski, vous allez voir des strongmen qui sont lean, veinés, sur le rack, collés. C'est des gars souvent qui ont des physionomies qui sont un petit peu plus gras, OK? Certains joueurs de football, certains joueurs de rugby, t'sais, vous les regardez, ils sont monstrueux! T'sais, mais vous les regardez, tu vas dire, il est pas collé, c'est pas son travail. T'sais, avec les leviers qu'il a, sa grosseur, il est capable de faire du gros travail pour faire du gros muscle, puis remplir comme il faut. Donc, choisir des exercices adaptés pour ces gens-là. On est capable d'y aller avec des exercices qui sont plus intéressants, OK? Et si on fait un comparable ensuite pour la dernière catégorie de gens, c'est pas pire, c'est brillant, je me donne des références, puis je dompe ma feuille. Alors, au show du pro, je l'avoue, j'ai fait une erreur, et voilà, chers téléspectateurs aguerris, je suis encore capable de vous dire que ça m'arrive de me tromper. Les hommes et les femmes qui sont beaucoup plus athlétiques et mésomorphiques, OK? Donc, les bras et les jambes par rapport au reste du corps sont dans un ratio de poids de corps de bonne épaisseur. Les mésomorphes sont des gens qui sont relativement à pourcentage de gras bas, très musculaires, des gens qui développent facilement. Vous en connaissez des gens comme ça, qui mangent à peu près n'importe quoi, là. Sont musculaires, sont ronds, sont pleins. Les blacks sont souvent comme ça. J'ai certains types d'athlètes que j'ai entraînés. Je pense entre autres à Jean-François Drouin, un gars qui a fait de la boxe pratiquement professionnelle. Tu sais, ce gars-là, là, je veux dire, il mange à peu près n'importe quoi, là, puis tu le regardes, il y a des bras, des épaules, des abdos, des jambes, 20 pouces de mollet, ça c'est une anomalie, c'est génétique. Quand le gars il fait de la boxe, tu regardes, on dit qu'il y a des bottes de ski, là. Tu sais, tu fais, moi je sais, ah hey, t'as pas vu mon père et mon oncle, ok. Donc ça, je vous dirais ça, ce type d'individu-là développe de la masse musculaire facilement. Ça veut-tu dire qu'on leur prescrit n'importe quoi? Non, on prescrit des exercices qui sont corrélatifs avec leur levier, on prescrit des volumes d'entraînement qui fonctionnent avec leur métabolisme et on fait en sorte d'avoir le plus de précision possible. On regarde la longueur des bras, des jambes. Est-ce que, d'après moi, je vais développer muscle à cuisse avec une braise, avec des split squats, avec du romanian, avec un bulgarian, avec mon pain, pourquoi? Hein? Excusez-moi, je suis désolé. Voilà.
OK, parfait, c'est parti. Non, excusez-moi, monsieur le régisseur, c'est parce que je vous ai regardé deux, trois fois, là, puis je suis venu comme avec un jus d'or. OK. Donc, la densité, l'épaisseur et l'harmonie des formes sont vraiment excellentes et le pourcentage de gras est très bas. Donc, les leviers musculaires et mécaniquement adéquats permettent des levées, des accroupissements et des poussées qui sont beaucoup plus optimales. Comme le sujet que je vous parlais avant, qui est carrément endomorphique, le mésomorphe, quand il fait faire du bench press incliné, des squats, des soulevés de terre, du one arm row, sont tous des exercices qui sont excessivement bien adaptés à ce type d'individu-là, parce qu'il a le rapport course-levier, grandeur, proportion, force, accélération, qui sont très bons. OK? Tu peux pas demander à un gars de 5 pieds 6, 125 livres de faire des presses avec des 100 livres à bout de bras. Il n'y arrivera pas. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question de capacité, non, c'est pas ça. C'est que ses leviers, ses jonctions ne lui permettent pas ça. OK? Tu sais, vous regarderez des recordman de bench press. Ils ont pas mal toutes les mêmes genres de physionomie. Très épais de cage thoracique, très court de bras, très large de poignets, de coudes, d'épaules. Tu sais, tu regardes ça, tu fais... Il est dessiné pour ça. Je peux même vous dire qu'au nombre de personnes que j'entraîne depuis les années 2000, après 22 ans de pratique d'entraînement, en moyenne, que j'ai fait pendant des années des 10 heures de personal training par jour, pendant 5 jours semaine, j'ai eu le temps d'analyser beaucoup les gens, et souvent, je prescris des exercices aux gens, et du tac au tac, je suis capable de vous dire, il est dessiné pour ça. Ça paraît. La personne part, a fait son exercice, accroupissement, traction pour le dos, lat pull down. Tu le regardes, tu as même pas dit, là, lat pull down, pogne la barre, tire, sort la poitrine, recule les épaules, mets les coudes en avant. Mais mon Dieu, qui t'a appris ça? Je sais pas. OK, c'est inné. Ça part pourquoi? Il est dessiné pour ça. Alors, c'est le rôle de la... Je répète, hein, c'est le rôle de... Je vais le dire. C'est le rôle de l'entraîneur qui se dit professionnel, de vous donner des exercices adéquats et calibrés selon votre grandeur, vos leviers, outre le fait que vous ayez des appréhensions, OK, ou des rêves, ou des fantasmes, appelez ça comme vous voulez. Non, c'est pas des fantaisies, monsieur le régisseur, c'est pas pareil, ça. Une fantaisie, c'est prendre votre femme, puis prendre un bain avec dans le jello. Ouais, avec dans la barbe, là, tout bien pogné, là, avec la pantoufle. Ouais. Là, ça, y a du jello là-dedans. Ouais, c'est ça. Non, mais je peux me gâter, c'est moi qui vous paye votre salaire. Fait que vous restez où ce que vous êtes, hein, c'est bon. Là. Donc, tu sais que je m'en vais avec ma pantoufle dans le jello, mais je suis bien rendu loin. OK. Je vais prendre une note là-dessus. Là. Voilà, parfait. Donc, certains types d'exercices deviennent jugés incontournables, trouvent leur intéressement avec la capacité du sujet à les performer adéquatement. Ça devient payant pour l'athlète et ça devient motivant de performer ces exercices-là. La longueur, la grosseur des muscles donnent des résultats probants et des exercices ciblés qui leur correspondent. La facilité à développer le muscle et le corps devient beaucoup plus rapide. Vous allez me dire, bon, alors, ne serait-ce de dire qu'il y a des avantages musculo-squelettiques? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pas dans le bon sport? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui devraient pratiquer un sport plus que d'autres? Oui. OK? Vous êtes destiné pour quelque chose ou vous ne l'êtes pas. OK? Facile à dessiner et à muscler, on trouvera plus de capacités de développement et de composantes athlétiques dans ce type de physionomie. On misera davantage sur le génétique et sur des exercices de masse pour arriver à certains résultats. Malheureusement, il y a une vérité absolue là-dedans. La personne qui est mésomorphique a souvent beaucoup de facilité à se développer et sans trop faire d'efforts, elle arrive à quelque chose de très bon. Malheureusement... Ça amène souvent, plus que d'autres choses, certains types d'individus comme ceux-là, they just got lack of power, energy, you know, and they're doing senseless stuff, okay? Ils n'ont pas le willpower, okay? Ils n'ont pas la rage de réussir. Pourquoi? Parce que c'est facile. Ils poussent un peu, là, ça pogne. Hein, il pogne la barre, je fais des séries de 6 à 8, ça commence à chauffer, là. Oh, j'ai un bras, là. OK. Tu sais, c'est comme un petit peu trop facile, donc ils se dépassent pas. Certains d'entre eux sont comme ça. Ce qui est pas le cas, excusez, je suis très directif, vous savez comment est-ce que je suis au show, là, tu sais, là. C'est pas pour porter ombrage à personne. Mais tu sais, le petit gros, lui, va faire plus d'efforts pour arriver à se dessiner, là. Parce que lui, il veut le perdre son tire. Tu sais, il est écœuré de partir sur la plage pour se faire agresser par les requins, là. Parce qu'il pense que c'est un fuck. Ils sont tous écœurés, bon. C'est comme vous, monsieur le régisseur, on vous envoie dans une cage à homards. Il n'y a plus d'autres morts pendant 10 ans, là. On s'est entendu, là? OK, bon. Donc,
c'est très important de comprendre que votre type de génétique et votre type de travail et de la manière que vous allez vous appliquer à travailler correspondent directement avec le volume d'entraînement, avec le nombre de répétitions, avec le type d'alimentation. Tout ça devrait être pris en considération par la personne qui vous entraîne et surtout le type de physionomie que vous avez. Ciblez des exercices qui donnent de la motivation. Excusez, je suis désolé. Un génétique viable performe à peu près tous les exercices. Hein? Quelqu'un qui a de la facilité à se développer, tu lui fais faire à peu près n'importe quoi, ça marche. Bon, il peut avoir des petits talents, il manque un petit peu de haute pectorale. Bien le bonjour et bonne fin de journée. Yes, sir. Yes, yes. Buenas noches, me dire de même. Valentina Santos, hein, avouez que ça sonne rockstar, ce nom-là, c'est incroyable. La première fois qu'elle m'a dit son nom, j'ai dit, wow, mon Dieu, on va t'engager, toi, dans un show rock, tu vas pogner. OK, donc, un peu plus, ouais, voilà, parfait. Mais encore, on doit adapter les leviers au travail. Chaque personne a des groupes musculo-squelettiques plus forts que d'autres. Ben oui, tu sais, exemple, moi, je m'entraîne avec, moi, je m'entraîne avec Paul, hein, avec Paul de Powerful, hein, voilà, yes. Puis Paul, lui, est très, 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 très fort des bras. Entre autres, c'est un gars qui a 19 pouces de bras, là, je disais, bon, c'est, tu sais, puis les épaules sont très rondes, etc. C'est un bon athlète, c'est un gars de 58 ans. C'est un de mes partenaires, j'adore travailler avec ce gars-là. Puis on s'agace tout le temps parce que lui, il voudrait avoir mon bec, mon dos, mes cuisses, puis moi, je voudrais avoir ses épaules et ses bras. Ben, on s'écœure toujours un peu avec ça, mais du moins, ce que je veux dire, c'est que lui, il a de la facilité avec ses muscles-là. Puis moi, pour moi, c'est moins. Moi, quand je fais du dos puis du pectoral, j'ai plus de facilité que lui. Alors, on se trouve être différent. La ligne n'est pas la même, le corps n'est pas le même. Alors, on essaie toujours de miser dans des types d'exercices qui lui conviennent mais qui me dépassent. Et quand on va faire, exemple, des jambes ou du dos ou du pectoral, on va miser des exercices dans moi, ce qui va être bon pour moi, mais qui va le faire dépasser lui. Ou des fois, je vais lui faire faire des mouvements à moitié, trois quarts, je vais couper dans ses répétitions, je vais lui donner des pauses, des arrêts, des contractions, je vais lui demander d'aller un petit peu plus bas, en série de s'étirer pour se détacher. Vous voyez, c'est pas rien qu'une question de lever des poids, s'entraîner. C'est une méthodologie de travail technique et tactique qui devrait donner un résultat évident. Et si après 2, 3, 4 ans que vous êtes suivi par le même entraîneur et vous n'avez pas ces résultats-là, c'est que cette personne-là ne vous les donnera pas parce qu'elle ne comprend pas comment vous fonctionnez. C'est tout. That's it. OK? C'est pas plus compliqué. Ça fait pas de lui quelqu'un d'incompétent. Ça fait pas des entraîneurs de la province de Québec et de toute la planète Terre, des gens qui comprennent rien dans ce qu'on vous prescrit, qui sont seulement mercantiles à vider vos poches. Quoi qu'il y en a certains, mais ça, c'est une autre histoire, OK? Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, la personne qui a à cœur le fait que vous réussissiez n'a pas peur de mettre tout son savoir sur la table, de vous le communiquer, de le partager avec vous, de vous évaluer. Moi, quand je monte un training avec quelqu'un, je suis dans mon bureau, là. OK? Là, je suis dans mon bureau, je prends des notes. Là, sur sa fiche technique, OK, parfait, enlève ton chandail. Là, je regarde, mets-toi face à moi. OK, les épaules sont pas mauvaises, mais son pectoral est fort. Il va avoir de la misère un petit peu avec ça. Parfait. Évidemment, le pectoral est fort, la clavicule est bonne, le dos est large, il a de la misère à développer ses bras. Prends ça en note. Donc, il va falloir mettre l'emphase sur des exercices de pré-exhausting pour les bras, entre autres. Ensuite de ça, on va brûler le devant de l'épaule quand on va aller faire le pectoral, parce qu'il y en manque à ce niveau-là. Si je veux monter sur le sous-claviculaire, on a un manque à ce niveau-là pour travailler. Ensuite de ça, on regarde, mettons exemple au niveau des jambes. Ben, le biceps de cuisse n'est pas assez développé, le vaste interne est présent, mais le vaste externe est trop haut par rapport à sa cuisse. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire travailler collé pour aller chercher l'extérieur de sa jambe le plus possible. Je vais mettre l'accent dans des exercices de base pour le leg. Mettons exemple pour le vaste interne, comme exemple un leg extension ou certains types de lunge ou de split squat. Puis ce que je vais faire aussi en même temps, bien, je vais regarder s'il manque de mollets. Bien, je vais lui donner des mollets à tous les jours avec de petits volumes. Hein? Des mollets à tous les jours. Ou des mollets à tous les jours, à tous les jours! Oui, on change de bro, à tous les jours! Ils vont me dire, voyons, ça se fait pas. Hey, excuse-moi, là. Fais des mollets à tous les jours, 4 fois 10. Chris, t'arrives à la fin de la semaine, tu vas dire, me semble que mon mollet, il est plein. Ouais, c'est en plein, ça. OK? Il faut pas que vous ayez peur d'être créatif, novateur, différent, originaux. C'est-tu parce qu'on vous a dit que des abdos, c'est 4 fois 20 puis c'est supposé pogner? Si moi, quand j'en fais à l'échec, puis pour moi, l'échec, c'est 15, ben ça vient de s'arrêter là. Hein? Moi, j'ai entraîné des femmes qui sont capables de me faire des crunchs pendant 3 minutes.
La mèche du pied, ça commence, là. T'es là, hey, calvaire, OK, OK. Bon, alors, les femmes, c'est très... Exemple, les femmes très différentes sont capables de fabriquer de petits êtres humains. Donc, la fibre musculaire de l'abdomen chez la femme ne correspond pas à celle des hommes. Beaucoup plus d'élasticité, de résistance. Donc, souvent, vous sculptez ça, là, avec un marteau puis un couteau. Bang, 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 puis tu en donnes, OK? Faut pas que t'aies peur. Si la femme, elle est déjà ciselée, elle a déjà une masse abdominale, ben, on va la dessiner, la peaufiner, la rendre mature. Il faut, mettons exemple, perdre du poids pour aller voir la masse abdominale. On va mettre l'accent dans la diète. On va travailler au niveau de toute la musculature du corps et à un moment donné, tada, les abdos vont se pointer. Et voilà. Vous perdez votre temps, il fait faire des abdos. Vous perdez votre temps. C'est la fin que ça va faire. Elle va dire, je comprends pas, je fais avec ça des abdos puis je les vois pas. Et là, à partir de là, je vais dire, hey, lâche tes beignes. OK, parce que les beignes, c'est pas bon. OK, les beignes, ça t'a fait un beigne, c'est pas bon. Voilà. Tu sais, n'ayez pas peur d'être authentique et véridique. N'ayez pas peur non plus de dire les vraies choses à vos athlètes pour les aider à performer puis avancer. Puis évaluez bien ce que vous voyez, c'est important. OK? Donc, les gens qui sont beaucoup plus mésomorphiques, bodybuilding, athlétisme, fitness, crossfit, etc., etc. Donc, s'entraîner selon ses leviers devrait considérer des professionnels qui savent vous dessiner et de déterminer les exercices en conséquence, les volumes d'entraînement, le type d'exercice, le temps de repos, tout ça à considérer pour vous amener à vous développer de façon beaucoup plus adéquate. C'était la capsule pour cette semaine. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir été avec vous. Alors, tout simplement, nous sommes live directement au 3055 Boulevard Abel, le 414, le Gym Olympe, le seul vrai gym à Québec, la seule vraie salle de conditionnement privé, la salle de musculation au Québec authentique, la vraie, c'est moi qui l'ai faite, elle m'appartient à moi, c'est Gym Olympe, Gym Olympe, on est fiers de vous accueillir chez nous, venez nous voir, venez vous abonner, essai gratuit pour tout le monde, vous aimez pas la place, vous avez rien perdu, je vous ai pris, vous aimez ça, vous vous en venez, vous voyez comment les gens ici n'ont pas de misère à s'entraîner, ça fait du bruit, ça gueule, ça met de la graisse, oui, on est là pour ça, c'est un chantier ici, on travaille et... L'avantage de travailler avec un club de professionnels, c'est qu'on va vous donner des trucs de professionnels. C'est là que vous allez finir par avancer. C'est pas chez Cono Fitness avec une paire de 15 livres, puis le gars qui est en arrière du comptoir, c'est même pas quelqu'un, là. La personne qui vous reçoit, c'est un écran qui vous parle. Oui, bonjour, veuillez entrer votre code. Hey, ça, c'est motivant. Hey, ça, c'est écœurant. 25 cents pour aller prendre ta douche. Hey, l'hamster continue à pédaler. Hey, chose, t'es pas sérieux, là. Hey, t'es VIP, tu peux venir t'entraîner en fin de semaine. C'est quoi, cette niaiserie-là? Nous autres, chez nous, là, c'est 5 heures le matin, 11 heures le soir, 365 jours par année, ça arrête jamais. C'est all the way fucking open. We went all the way. OK, ben important. Donc, vous venez chez nous, 3055 Boulevard Amel, le 414, le Gym Olympe, pour nous rejoindre. Faites un téléphone, le 418-204-8246, le 418-204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région médiatique de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vos exercices sont mal adaptés et que votre quête du muscle s'en trouve altérée. Et voilà, c'était la capsule pour cette semaine. Alors, monsieur le caméraman, vous mettez stand-by, tout le monde est prêt. On est parti, it's a go. Je vous revois la semaine prochaine au show du pro!